Il paraît même que vous êtes dirigé par des êtres fabuleux, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez pas? Du petit lutin? Le lutin qui vous a... Non? Vous vous souvenez? Il courait partout. Il avait promis de vous faire travailler plus. Vous vous souvenez? Oh bah, comme toujours, les lutins, ça agace au bout d'un moment, hein. Il vous agaçait, puis il s'est laissé séduire par le chant d'une sirène italienne. Oui. Alors vous l'avez remplacé, oui, par un farfadet. Oui. Alors genre le farfadet normal, quoi, vous voyez, pas très grand, la cravate de travers, vous voyez, hein, cette bête-là. Alors lui, il disait qu'il était sorcier, ce farfadet-là. Oui, il avait promis d'inverser la courbe du chandu. C'est vrai? Oh, vous êtes rendu compte, il était ma sorcier un peu, mais il n'avait qu'un pouvoir. C'était celui de faire tomber la pluie. Mais vous me direz, les enfants, est-ce que vous savez avec qui vivent les farfadets? Un farfadet, c'est avec qui? Ça vit avec qui, un farfadet? Vous savez pas? Mais le farfadet vit avec les fées. Oui? Vous vous souvenez pas? Il était avec Fégolène. Vous vous souvenez? Puis après, il a été avec Féroce. Hein? Ouais, puis après, oh, bah, il a eu un scooter magique. Alors là, bah, il volait partout, puis tout. Mais ça va recommencer, hein? La grande farandole, c'est pour l'an prochain. Oui? Le lutin, il galope déjà. Le farfadet, il y songe beaucoup. Il y aura même une sorcière, paraît-il, oui. Sorcière, descendante d'une longue lignée de sorciers bretons, dont le père était borgne. Vous voyez? Vous savez bien comment elles sont, les sorcières, elles. Elles prétendent avoir des remèdes à tous les maux. Attention aux potions des sorcières, des fois, hein. Ça devient une potion. Ah oui. Et puis même, on m'a dit, il y aura un revenant. Oui, un revenant de Gironde, paraît-il, qui sera là.